Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui on va continuer donc notre programme spécial confinement. Et normalement on devrait finir le katagion, en tout cas finir l'ambusène. Voilà, après on va continuer à étudier sur le kata. Mais normalement voilà, on devra arriver à le faire complet aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la téléconférence d'hier. Ça a un peu merdé, hein. Techniquement, je me suis fait un peu avoir. Je voulais vous mettre des PowerPoint, vous faire des partages d'écran, vous montrer certaines choses. Et ça a planté. Du coup, j'ai été obligé de créer une autre vidéo en live. D'ailleurs, j'en ai créé deux, je me suis planté. C'était un peu la cata. Donc, j'essaierai de vous refaire une conférence. Je pense jeudi prochain, pareil, à 17h. Donc, d'ici là, j'ai un peu de temps pour me préparer techniquement, pour que ce soit un peu plus professionnel, parce que là, c'était très, très pas terrible, hein, directement devant la webcam, et puis la qualité était très médiocre. Enfin, bref, voilà. Pour ceux qui ont suivi la conférence, ben, je vous remercie. C'était très sympa. Et puis, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pour vous apporter encore plus de choses. J'espère que vous avez fait votre échauffement. Si c'est pas le cas, mettez en pause et allez vous échauffer et vous revenez. Donc cette fois on va partir du début du katagion. Et puis vous allez voir très vite, on va raccrocher le wagon sur ce qu'on a déjà fait. Donc ça va être assez simple. Alors, toute première chose du kata. Chose importante, donc j'en profite comme on est à peine chaud pour faire le début, parce que c'est pas très très violent, donc ça tombe bien. Première chose, on a Isuku Dashi. Isuku Dashi, c'est une position d'attente, d'accord. C'est comme Musubi Dashi, comme la position du salut, sauf qu'on a les pieds joints, d'accord. Position debout. Alors je dis bien position debout parce que c'est pas ça. Très souvent, je vois ça, et Isuku Dashi, c'est pas ça du tout. Et Isuku Dashi, on est debout, jambes tendues. Alors, attendez, hein, c'est important, c'est jambes tendues. En fait, c'est jambes sous tension. Il faut pas que les genoux soient tendus. Alors, je vous explique. En fait, vous devez être dans la position là, et vous devez basculer votre bassin. Donc, vous serrez les fesses, et vous basculez votre bassin, en fait, pour rentrer le coccyx. On appelle ça rentrer la queue du dragon. Hein, le coccyx est comme ça. Et là, je rentre. Il faut que le coccyx vise le sol. Et ce qui fait cette impression de jambes pliées, c'est justement parce que comme je bascule le bassin, mes jambes partent légèrement sur l'avant. Et ça fait un arrondi avec le genou. Mais elles sont sous tension, mais pas tendues. D'accord. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de très, très, très important par rapport à la tension du genou. Si vous êtes jambes tendues comme ça, d'accord, si vous tendez la jambe avec le genou qui est comme ça, vous, en fait, vous désolidarisez, enfin, vous libérez la rotule, d'accord. Et là, en fait, si vous faites un mouvement à droite, à gauche, vous risquez une luxation au niveau de la rotule. Il faut que la rotule soit bloquée. Donc pour qu'elle soit bloquée, il faut que le genou soit... Il ne faut pas qu'il soit tendu complètement. Il faut qu'il soit légèrement plié et sous tension. Il faut que les muscles là soient tendus. Et là, tout de suite, ça bloque la rotule. D'accord? Essayez, vous verrez, vous tendez, vous libérez, enfin, vous détendez les muscles. Hop, la rotule est libre. Dès qu'on plie un peu la jambe, tac, et que le muscle là se tend, tout de suite, toc, la rotule, là, elle bouge plus. Et donc là, on va pouvoir se déplacer sans trop de risques. Bon, faut toujours faire attention, parce que comme je vous ai déjà dit, le genou, il n'a pas la fonction rotation. Donc il faut faire attention quand on est en position debout et qu'on doit bouger, de bien pivoter sur les pieds et de pas avoir juste le haut du corps qui tourne et puis pas les genoux, parce que... Enfin, pas les pieds, parce que là, du coup, les genoux, ils morflent. Ok. Allez. Je referme la parenthèse sur Isuku Dashi, sur les rotules. Alors, hop, je vous dis, voilà, jambes tendues. Et ensuite, on est comme ça, la main droite devant et la main gauche par-dessus. Hein, c'est pour ça que je vous disais que Gion a des origines chinoises, parce que ça,
C'est la position pour le salut chinois. Alors, je ne sais pas le faire, mais voilà, c'est la position, c'est une position pour le salut chinois. Donc, c'est certainement pour cette raison que le kata commence comme ça. Comme toute la série de JT, enfin, il y a Jion, JT et Jin qui sont, voilà, qui commencent comme ça. Voilà. On ne fait pas le salut, hein. Ça commence comme ça. Donc, au départ, je vais prendre tout le protocole du départ. On fait le salut. Alors, il y a deux écoles. On fait le salut et on passe directement comme ça. Ou alors, on fait le salut, on passe en yoï et ensuite on commence là. Alors, je crois que la version officielle, c'est une fois qu'on a salué, on commence là. Je crois que le kata, on ne doit jamais être en yoï. Alors, moi, je vous avoue que j'ai tendance à me mettre en yoï au départ parce qu'à la fin, quand j'ai terminé là, quand je termine, je passe toujours en yoï. J'arrive pas à faire ça et à saluer, enfin j'y arrive pas, j'ai tendance à pas le faire, et du coup j'ai tendance moi à rajouter le yoï, mais je crois que la version officielle, il n'y a pas de position yoï comme ça. Donc voilà, on salue, donc là c'est même position, c'est Musubidashi, mais pied ouvert, d'accord. On salue, ensuite on serre les pieds, et on vient dans la position là, ok, et Sukudashi. Alors là de là, on va faire un mouvement qu'on a fait plusieurs fois depuis le début de cette série de vidéos, c'est-à-dire qu'on va faire ça, comme dans Eian Sandan, ça. On mélange Uchiuke Geden Barai, donc on a vu que c'était en gros le même mouvement que Manjiuke, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, enfin bref, c'est Uchiuke Geden Barai, devant, d'accord. Donc ça. Alors, important, c'est pas ça. C'est vraiment les bras, comme je vous ai déjà dit, hein, les bras s'approchent du corps. Donc, celui-là va descendre au bas, celui-là va rester au-dessus pour faire le bras droit Uchiuke, le bras gauche Geden Barai. Ok? Allez, donc on fait ça. Et en même temps, pour l'instant, on fait que le mouvement là. 1. 1. Donc, les bras viennent vers vous. Les bras viennent vers vous. Donc le bras droit vient ici. Pas trop bas, hein, parce que là, ça c'est très très court la technique là. Enfin, vous verrez, mais c'est très court. C'est pas, le Geden Barai, c'est pareil. N'emmenez pas trop vers vous. C'est vous approchez tout de suite, on repart. On approche, on repart. Allez. On approche du corps, on repart. On approche du corps et on ouvre. On approche, le bras gauche va descendre Geden Barai, il passe à l'intérieur et le bras droit monte Uchiuke. Je vous rappelle qu'Uchiuke, si j'ouvre la main, elle regarde par là, hein, vers moi, ou donc bien tourné ici. Okay, bien tourné ici. Vous devez sentir de la force ici et là, de la force ici. C'est vraiment de la. Donc là, ça frappe. Là. Si je suis là, la partie là doit frapper et la partie ici doit frapper. D'accord? Là et là. Donc ça, il faut que vous le sentiez. Et trop souvent, en fait, on voit juste ça. Les gens, ils se mettent dans la position là, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de technique. Donc c'est important de sentir une technique. Alors, là, on va faire la technique en se déplaçant, c'est-à-dire qu'on va descendre le Esukudashi, on descend Zenkutsudashi. Donc vous voyez, je suis dans une position comme ça, et je viens là. Je dis bien je descends, parce que là je suis en position quasiment debout, et là j'ai la jambe avant pliée, donc je descends mon centre de gravité. Donc ce qu'il faut faire, il ne faut pas penser à aller derrière, il faut penser à pas tomber. En fait, de là, c'est vraiment le lâcher prise, je tombe, et dans le même temps, je recule la jambe. Je recule la jambe et naturellement, mon centre de gravité va reculer un peu, puisque pour avoir à peu près 60-70% du poids sur la jambe avant, et la jambe arrière, tendue, mais c'est un peu le même principe que pour le Esukudashi. La jambe est tendue et sous tension, mais pas tendue complètement. Il faut pas que le genou soit tendu complètement, déjà parce que ça vous risquez de vous faire mal au genou, et en plus, si vous tendez trop, ben, ça bascule votre bassin comme ça, et en fait, votre bassin bascule sur l'avant, alors qu'il doit rester à plat. Le bassin doit rester à plat, avec, hop, les fesses
rentrée inclure, pareil, la queue du dragon à l'intérieur. Donc à chaque fois, voilà, on verrouille comme ça. Donc de là, on descend. Donc de là, je tombe et je mets ma jambe en arrière. Je tombe et je mets ma jambe en arrière. Et en même temps, donc là, vous voyez, je suis esokudashi, je recule la jambe gauche. Esokudashi, je recule la jambe gauche. Je montre comme ça, esokudashi. Et je fais mon double blocage. Donc, je refais, regardez bien, mon bras, mes bras viennent bien vers moi. Dès le départ, en fait, au moment où je descends, mes bras viennent vers moi. Hein, viennent vers moi pour, au moment en fait où je vais verrouiller derrière, au moment où je stabilise ma position, là que je rentre la queue du dragon, là, que je bascule mon bassin et que j'appuie sur la jambe derrière, je vais bam, verrouiller à ce moment-là. Je verrouille à ce moment-là. Ok ? Comment ? À force, vous arriverez à faire ce mouvement de façon correcte. De toute façon, on l'a déjà travaillé pas mal depuis le début. Donc, refaites-le, travaillez-le, vous entraînerez. C'est vraiment de la position là. Je descends et je fais ça. Ce qui est important, c'est de bien travailler la gestuelle, de bien vous dire ça, je fais Uchiyuke et celui-là, je dois faire Gelenbarai. Et non pas juste vous dire je dois arriver là. Parce que trop souvent, en fait, je vois ça. Trop souvent, je vois des gens qui font le kata et qui commencent comme ça et qui font... Alors là, il n'y a rien du tout. Hein. J'ai fait aucune technique. Alors c'est vrai que si je prends une photo là, c'est pareil. Mais c'est pas ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment les... Enfin, je reviens souvent là-dessus, mais les bouquins, c'est super. Mais sauf qu'il faut vraiment penser qu'entre les photos... ou entre les dessins, ben, y a un mouvement. Et c'est ça qui est important. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Faut pas retenir, je suis là, après je suis là, c'est je suis là, je fais la technique. Je dois faire Uchiyuke, je dois faire Gelenbarai. Je dois faire Uchiyuke, je dois faire Gelenbarai. D'accord? Allez, on passe à la suite. Donc, 1, 2. Ensuite, je vais aller à... Alors, on va dire... C'est 45 ou 60 degrés, mais je crois que c'est 60. Hein. C'est plutôt, faut pas aller trop par là, mais voilà, 60 degrés. Et là, on fait, oh bah mince, kakiwake uke. Kakiwake uke, ça s'appelle la technique. Et là, on le fait en zenkutsudashi. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Eyan Yodan, c'est la même technique que dans Eyan Yodan, sauf que dans Eyan Yodan, on est en Kokutsudashi. Là, on va le faire en Zenkutsudashi. Alors, on va travailler un petit peu sur cette technique. On va le faire, on va se mettre en Zenkutsu, jambe gauche devant. Mettez-vous jambe gauche devant. Et là, on va faire deux Uchiyuke. Comme dans le kata, là, il y a un moment, on fait, que je me souvienne, boum, boum. Voilà, on fait ça. Vous voyez, dans le kata. Ben là, vous allez faire pareil. Deux Uchiyuke. Un. Vous voyez, deux Uchiyuke. Donc c'est exactement la même technique. Donc là, pensez bien, quand vous faites Uchiyuke, je tire sur l'extérieur, je mets mes mains en ce qu'on appelle en supination, je tire sur l'extérieur et en même temps de la force ici et je rentre les coudes. Donc quand on fait Uchiyuke, le fait de faire ça va vraiment avoir tendance à rentrer les coudes et à nous donner conscience qu'il faut de la force ici. D'accord ? Pour Kakiwake Uke, c'est quasiment pareil, sauf que les bras vont être tournés dans l'autre sens. Mais par contre, il n'y a que les bras. Tout le reste, vous devez sentir la même chose. C'est-à-dire que là, dans Uchiyuke, dans Morote Uchiyuke, vous avez de la force ici, ici, donc vers l'extérieur, tout en serrant à l'intérieur. Et bien là, c'est pareil, c'est de la force vers l'extérieur, ici, tout en serrant ici à l'intérieur. Donc essayez d'avoir cette même sensation de verrouiller bien ici au niveau des aisselles et de rentrer les coudes tout en ouvrant au-dessus.
Et là, avoir la sensation de force ici. D'accord? Allez, on reprend. Il faut ouvrir suffisamment, hein. C'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça non plus. Ah, faut ouvrir, mais ouvrir tout en rentrant les coudes. Tout en rentrant les coudes et mettre de la force. Allez, hein, là je vais faire ma guérie. Donc là c'est à peu près pareil que dans Eyan Yodan. Vous allez voir, il y a juste une petite modif, mais je fais ma guérie. Je crois que c'est Shudan. J'ai un doute. Je crois que c'est Shudan. Ben, je vous redirai parce qu'il faut que je regarde. Mais je crois que c'est Shudan. On va parler. Ouais, je crois que c'est Shudan. Donc ma guérie Shudan. Là je fais Suki. Alors, vous avez vu, regardez mon bras. 1, 2. Le bras ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. C'est direct. Suki direct. D'accord? Donc 1. Un suki, donc par contre l'autre vient bien en équité. Un et deux. Donc on fait trois de suki. Ok? Allez, on reprend. Maigeri, suki, suki, suki. Tout est au niveau shudan. Hein? Tout est au niveau shudan. Alors, Maïgeri Shudan, Suki Shudan, Gyakutsuki Shudan, et à nouveau Matetsuki Shudan. Donc, je reprends. 1, 1, 1, 1, 1. Au niveau du rythme, c'est je fais ça, 1, 2, 1, 2. Hein, c'est... Il y a un léger temps de pause entre le premier tsuki et les deux suivants. Mais bon, ça, le rythme du kata, je vous dis, une fois qu'on connaîtra le kata, on travaillera dessus et on travaillera le rythme du kata, hein, pour que vous le connaissiez encore mieux. Allez, donc là, je reprends de là. 1. Je vais sur le côté, donc là, les bras vont au-dessus, le bras gauche devant. Parce que j'ai la jambe gauche devant, le bras gauche devant, comme si je montais un peu en jujitsu, j'ai les bras croisés comme ça. Et jujitsu, je suis comme ça, là j'ai les bras croisés comme ça, mais qui regardent vers moi, mes poings fermés. Et ensuite, j'ouvre. D'accord? Kaki wake uke. J'ouvre tout en rentrant les coudes. Kaki wake uke. Maigeri. 1. Suki. 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 Ok? Allez. 1. Sur le côté. 1. 1. 1. 1. Allez, on reprend. Je vais le faire dans le même sens que vous. Même si je suis de dos et que vous ne voyez pas bien bien, ça va vous permettre peut-être de ne pas vous mélanger. Alors, on se met en position comme pour le salut chinois, là. Esokudashi. Allez, double blocage. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Je reprends. Double blocage. Ensuite, je vais à 45 ou 60 degrés par là. Regardez bien, je rentre bien les coudes, mais j'ouvre ici pour avoir la force de chaque côté. D'accord? Et je baisse les épaules. Je mets vraiment beaucoup de force ici, hein. Là, c'est vraiment important de la force ici. Recentrez tout à l'intérieur du corps. Ah, vous avez de la force ici. Les bras, en fait, la force qui est dans les bras, elle vient du corps. C'est parce que vous avez de la force ici, vous verrouillez tout, que ça vous met de la force ici. Si vous êtes tout libre, puis vous faites juste ça, vous n'avez rien au bout des bras. Hein, c'est parce que vous êtes fort sur votre corps et que tout est solidaire, tout est connecté, là, les différentes articulations, que vous avez de la force. Allez. Bon, pardon, je recommence. 1. Je suis perdu. Ouais, si c'est ça. 1. Je vais là-bas. Donc, jambe gauche là-bas. J'ouvre. Je fais maïgeri. Tsuki. 1, 2, tsuki. Ok, allez, je refais un coup.
je vais à 60 degrés par là. Et je fais la même chose, mais dans l'autre sens. 1, 1, tsuki, tsuki. Ok? Allez, on commence. 1, 1, tsuki, tsuki, tsuki. Regardez mes bras, pas si vous voyez, mes bras vont se croiser. Cette fois-ci, le bras droit devant, puisque je vais emmener ma jambe droite là-bas. Et je fais mon kakiwaki, ok? Je fais maïgeri jambe gauche, maïgeri shudan jambe gauche. Ensuite, tsuki shudan et deux tsuki shudan. Ok? Allez, on le refait quelques fois. Gare va de l'autre côté maintenant. Je reviens. Là, en fait, j'ai pas trop le choix. Je peux pas trop faire ça. D'accord? Je suis obligé de revenir pour mettre du poids sur la jambe là. Alors, vous n'êtes pas obligé de revenir complètement là. Il y en a qui font ça, hein, qui reviennent et qui repartent. Mais en fait, il faut rester quasiment au même niveau. Montez pas et vous faites ça. Vous allez juste mettre le poids là. Une fois que vous avez votre poids ici, vous pouvez aller de l'autre côté. D'accord? De là. Vous n'êtes pas obligé, moi je ne le conseille pas même, de venir comme ça. C'est vraiment, je reste la jambe arrière pliée et je vais là-bas. Donc c'est juste, je délaisse le poids qui est sur la jambe là, d'accord, pour le mettre sur la jambe arrière. Donc je vais juste décaler mon poids sur l'arrière et je reviens pour le remettre ici. Ok? Bon, je recommence. Un coup et après on va enchaîner. Ok, alors regardez bien maintenant, je suis en position tsuki, jambe gauche devant, tsuki gauche, et là je vais enchaîner sur ce qu'on connaît déjà. Je vais venir sur la ligne droite et je fais mon jodanageuke et tsuki. J'avance, jodanageuke, tsuki. J'avance, jodanageuke et oitsuki. Ok? Donc là maintenant, vous allez voir, kata vous le connaissez, complet. D'accord? Alors, la partie du début, bah, il va falloir maintenant la travailler puisque... Bah, sauf si vous connaissiez déjà le kata, mais enfin, même si vous le connaissiez, là ce que je vous demanderai dans les. Jusqu'à demain, c'est de vraiment travailler surtout la partie du début. À chaque fois, hein, chaque fois entre chaque vidéo, travailler surtout ce qu'on a travaillé pendant la vidéo. Donc là, travaillez toute la partie du début, concentrez-vous là-dessus. Et de temps en temps, vous enchaînez le kata complet, mais pas tout le temps. Ce qui est important là, c'est de travailler bah, cette partie-là. Ensuite, ben vous enchaînerez de temps en temps, alors, et ça va devenir de plus en plus facile puisque c'est les mouvements, c'est les techniques qu'on a fait les fois d'avant. La technique juste avant, ben normalement vous l'avez bien travaillé hier, en plus vous avez eu deux jours puisque hier on a fait une visioconférence et du coup pas d'entraînement, donc normalement vous l'avez bien travaillé. Allez, on essaye de faire le kata complet. Alors, on va prendre le protocole depuis le début. Donc, Musubidashi, je salue. Et Jon ! Vous annoncez le kata. Hein. Une fois que vous avez salué, vous annoncez le kata. Et ensuite, vous serrez les pieds en Esukidashi. Et c'est pas ça. Attention, hein. De là, ne me faites pas ça. De là, je vais juste serrer. Mais ma position reste la même. C'est-à-dire que j'ai les fesses serrées, je verrouille mon bassin vers le bas pour appuyer au sol mes talons. J'insiste là-dessus, mais c'est très souvent qu'on voit ça.
très souvent. Et là, en fait, il n'y a rien. On a c'est pas ça. Allez, on est prêt. On salue. Yon. Pour l'instant, je vais pas vite. Pas l'objet de la vidéo. Et on est toujours en phase apprentissage. Je viens en face. Jodan Nagyuke Tsuki. Jodan Nagyuke Oh, Gyaku Tsuki. Jodan Nagyuke Oi Tsuki. Oi Tsuki. Maintenant, je tourne. Manjuke Kagi Tsuki. Manjuke Kagi Tsuki. Je vais dans la ligne droite. Hein? Maintenant, on connaît hein, de mieux en mieux. Hein? On frappe Tetsui. Tetsui en Kibadashi. Tetsui en Kibadashi. Je tourne, Manjuke. Voilà, Manjuke. Et là maintenant, je vais faire Morote Jodan Uke. Uchike. Jodan Morote Uchike. Je viens en face. Rappelez-vous, on lève le genou. Normalement, ça doit vraiment devenir de plus en plus facile. C'est le principe de cette méthode d'entraînement. C'est maintenant, c'est de plus en plus facile. La ligne droite, je lève et je fais Otoshi. Otoshi Fumikomi. Voilà, Fumikomi et Otoshi. Ok. Et voilà, je rentre. Et je rentre avec le kiai. Ok. Alors, pardon, de là, je viens bien dans la position là. Ensuite, j'ouvre et je salue. Non, bah, c'est tout. Enfin, vous voyez, en fait, on est vraiment maintenant dans une phase. La phase d'apprentissage va être quasiment terminée. Là, on vous, il va falloir que vous le travaillez, puis que vous continuiez de réviser un peu, d'accord, pendant quelques jours. Mais une fois que vous aurez fait, vous arriverez à le faire complet. Sans avoir besoin de moi et sans avoir besoin de regarder sur un bouquin ou quoi que ce soit. Donc vous arriverez à le faire complet. Mais il va falloir après le travailler pour que ça reste dans la tête. D'accord? On en reparlera un peu plus tard. Allez, je le refais cette fois dans le même sens que vous. Allez, hein. Ah pardon, je fais le pied. Même si quand vous travaillez votre kata, vous n'êtes pas obligé de saluer à chaque fois. J'aime bien le faire moi à chaque fois parce que je trouve que ce salut fait vraiment partie du kata. Allez, je salue. Ichi, ichi. Ichne. Donc là il y a le kiai, hein. Le premier kiai est ici, au bout de la première ligne droite. Je tourne, Manjuke, Kagitsuki. Manjuke, Kagitsuki. Le regard maintenant vers la ligne droite. Et là je vais faire ma série de Tsuki en Taisho, Yoko Tsuki Taisho. Mes pieds. Maintenant je pivote. Manjuke. Pensez bien là, vous verrouillez vos hanches. Je frappe sur le nez, j'arme plein, je frappe sur le menton. Je pivote. Et tsuki. Tsuki. Oi tsuki. Je viens vers la ligne droite. Et là. Et là, il y a le deuxième qui aille. Qui est un peu
spéciale, puisque c'est un kiaï qui se fait au ralenti en fait. Mais en essayant de garder de la puissance. Ok, alors je vais arrêter là. En fait, je vais arrêter là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je voudrais en fait que vous le faisiez 4, 5, 6 fois, mais par vous-même. D'accord? Si vous restez à toujours regarder la vidéo, bah en fait, vous avez tendance à être passif. Donc là, je voudrais vraiment, comme je vous ai expliqué hier dans la web conférence, je voudrais vraiment que vous soyez acteur de ce que vous faites. Donc maintenant, je vous ai tout montré, tout appris. Ça doit être la 10e vidéo qu'on fait sur Gion. 10e vidéo de 40-50 minutes. Ça fait déjà pas mal. On a 6-7 heures de Gion, 8 heures peut-être même. Donc ça commence déjà à faire pas mal de boulot. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment... vous pouvez prendre des notes, prenez des notes de ce que vous venez d'apprendre et essayez maintenant de faire l'effort de mémorisation, l'effort de travailler vous-même. Donc vous faites toute la première partie plusieurs fois et ensuite vous enchaînez jusqu'au bout en essayant de ne pas vous tromper. Dès que vous vous trompez, prenez des notes et puis revenez dessus, mais par vous-même, d'accord ? Revenez dessus et essayez de réfléchir par vous-même. Il faut vraiment que vous fassiez travailler votre cerveau pour faire cet effort de mémorisation vous-même, pour que le cerveau, ça rentre. Et alors je dis le cerveau, mais c'est aussi le corps, hein. Les gestes, en fait, on les apprend, ça devient des automatismes. Et après, on pourra vraiment travailler sur Gion, faire plein de travailler sur le rythme, tout ça. Mais vous, il faut que vous le sachiez. Donc, comme je vous disais, la phase purement apprentissage, va être terminé, hein, puisque le temps que vous travaillez encore un petit peu, vous saurez le faire sans avoir besoin de personne, vous savez faire le kata sans avoir besoin de personne. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire en sorte que si je vous demande le kata dans un an, vous arrivez à le faire. Peut-être pas du premier coup, des fois on a besoin de réfléchir, attends, c'est comment, on a besoin de quelques minutes pour réfléchir, ça je veux bien. Sauf si vous le faites régulièrement, mais si c'est un kata, ça fait un an que vous ne l'avez pas fait. Des fois, on a besoin d'un peu de réflexion, mais presque pas. Ça doit vraiment être rentré dans la mémoire à long terme, comme le fait de faire du vélo. Hein, c'est rentré dans votre mémoire. Et pour ça, pour que ça rentre dans votre mémoire, le kata, il va falloir le faire tous les jours. Alors, je dis bien tous les jours. Tous les jours. Il faut le faire tous les jours, j'insiste, pendant 66 jours au minimum. C'est bien tous les jours. Ça peut être qu'une fois, hein, si vous le faites une fois tous les jours, ce sera déjà bien. Mais essayez de le faire un peu plus, d'accord ? Alors, c'est pas obligatoirement à fond, mais essayez quand même de le faire avec les bonnes positions, pas juste faire... Alors là, je fais ça, là, après je fais ça, ok, toc, toc, toc. Là, toc, toc, toc. Ça, c'est pas bon, hein. C'est pas ça du tout, hein. Quand je dis réviser un kata, c'est je me mets. Alors, si je veux pas mettre de force parce que je veux pas être en sueur, je vais doucement, mais je fais quand même les gestes le plus parfaitement possible. Si possible, avec un minimum de rythme, hein. Même si je veux pas être en sueur, j'essaye quand même d'avoir un minimum de rythme, d'accord. Mais je fais les gestes complets, je fais pas juste. Ok, là je dois faire ci, là je dois faire ça. Non, c'est pas ça. Ça, vous le faites quand vous faites la visualisation mentale, vous mettez comme ça, et là vous faites sans bouger, ok. Mais quand vous révisez votre kata, faites-le vraiment. Faites-le vraiment et bien. Hein? Ça évite après, quand vous faites vraiment le kata, d'avoir des gestes qui ne sont pas terminés. Hein? Parce que vous avez tellement l'habitude de faire. Alors là je fais ça. Au moment de faire le vrai maïgéré, il n'y a pas de maïgéré. Voilà. Donc c'est important de faire les gestes correctement. Déjà, ça permet au corps d'apprendre vraiment la gestuelle, le schéma moteur, comme on dit, la gestuelle. Puis après, c'est seulement après qu'on met la vitesse, qu'on met tout ça. Mais là, pour l'instant, tous les jours, pendant 2 mois et demi, vous nous faites le kata tous les jours. Quel que soit votre niveau. Hein. J'ai lu hier dans la conférence à quelqu'un,
Non, c'était pas hier. Non, c'était dans un mail. Une personne qui me disait, ouais, moi je suis ceinture jaune, géant, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas trop compliqué. Moi, le premier kata que j'ai appris, j'étais ceinture blanche. Hein, et c'était Kankudai, c'est le plus long. Ok, je le faisais mal. Mais j'ai quand même appris l'embusène en lui-même. Bah, c'est tout, je l'ai appris, j'ai mis du temps, mais je l'ai appris. Puis après, ben, j'ai travaillé dessus. Puis au fur et à mesure que j'ai évolué dans mes grades, dans mes ceintures, ben, je le faisais de mieux en mieux. Et ça m'a permis aussi d'apprendre les autres katas, parce qu'il y avait plein de bouts que je retrouvais. Mais Gion n'est pas très, très compliqué. Hein. C'est l'équivalent de deux Zeyan à peu près. Enfin, même pas à peu près, c'est ça. Et c'est pas très dur, il n'est pas très dur à faire. Donc si vous êtes ceinture blanche, ou jaune, ou orange, et que vous trouvez que c'est très compliqué, que c'est trop compliqué, vous prenez la vidéo une, mais la regardez pas qu'une fois. Vous la faites 3-4 jours d'affilée. Ensuite la vidéo 2, 3-4 jours d'affilée, la vidéo 3. Et puis au lieu d'apprendre le kata en 10 jours, ben, vous l'apprendrez en un mois. Mais c'est pas grave. Au bout d'un mois, vous connaîtrez Gion par cœur, quel que soit votre grade, que vous soyez ceinture blanche ou... C'est pas si compliqué que ça, hein. Vous avez le même cerveau qu'une ceinture noire, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est ceinture noire qu'il a un cerveau comme ça, il a le même que vous. Donc voilà, c'est juste des gestes à apprendre qui sont pas si compliqués que ça. Alors, il y a des passages un petit peu... mais bon, finalement, quand on réfléchit bien, je frappe sur le nez, j'arme, pompe, je refrappe. Ouais, bon, ben voilà, c'est juste des gestuels à apprendre. Donc c'est pas très compliqué, donc... Ne vous mettez pas des barrières parce que vous êtes ceinture blanche ou jaune. Oh ben non, moi je peux pas, je suis ceinture blanche. Ah, c'est sympa hein, tes vidéos, mais là, non, moi je peux pas faire rien, c'est trop dur. Non, c'est pas vrai. Vous ne mettez pas des barrières à votre cerveau, il y en a bien assez. Donc, au contraire, voyez grand, fixez-vous des objectifs et allez-y. Gion, vous serez super fier de le connaître, d'accord? Et après, pour travailler les Zeyan, ça va aller beaucoup mieux. D'ailleurs, donc dans les vidéos suivantes, alors on va retravailler Gion, on va continuer, on va sûrement en faire encore quelques-unes où on va vraiment bosser un petit peu, et puis voilà, je vais vraiment revoir un peu tout ce qu'on a vu sur Gion. Mais après, je ferai certainement des vidéos sur les Zeyan pour faire un peu plaisir aux débutants, et puis bon, les avancer aussi. Mais voilà, pour... Je vais profiter de Gion, de rebondir sur Gion qui est sur la même base que les Zeyan, pour revoir les Zeyan. Et dans chaque kata, je vais essayer de voir les passages qui me paraissent compliqués, que souvent les gens font des erreurs. Et puis on va retravailler, on va faire des vidéos, on travaillera sur des points précis de chaque kata. Ok ? Écoutez, je vous dis à très vite. Je parle beaucoup, désolé. Je sais que des fois vous avez envie de vous entraîner, bah mettez en pause et continuez votre entraînement, puis venez réécouter après ce que j'ai à dire. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve demain. Demain on est dimanche. Demain je pense que on va certainement faire de la méditation. Donc je vais voir, soit je vous fais une vidéo, mais à mon avis, ce que je vais faire, je vais vous ouvrir carrément l'accès à une formation de méditation qui est sur Karaté 3G. Ok, hein, c'est une formation sur 7 jours de méditation, c'est de la méditation guidée, et je pense que en ce moment, ça fera du bien, voilà, ça fera du bien à tout le monde de regarder un petit peu ses pensées de loin et puis de pas trop s'accrocher dessus, parce qu'on est tous un petit peu sous tension, ce qui est normal, hein. Il y a le virus qui nous embête un peu, hein, même beaucoup. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous, et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.